Les collections patrimoniales de la BULAC sont beaucoup plus importantes qu'on aurait cru quand on a ouvert en 2011 une bibliothèque toute neuve, parce qu'en fait on a hérité des collections de la bibliothèque de l'École des langues orientales, qui sont des collections qui ont commencé à être constituées au XVIIIe siècle, avant la Révolution, lorsqu'elle a commencé à fonctionner au Collège Louis-le-Grand à Paris, la première école parisienne des langues orientales, où essentiellement on a enseigné l'arabe, le persan, le turc, et ensuite l'arménien, le grec, et puis d'autres langues. À cette époque-là, pour enseigner, on avait très peu de manuels, il y avait très peu de textes imprimés dans les langues, donc il fallait du matériel pédagogique. Et ce matériel pédagogique, c'était des manuscrits. Les manuscrits, pour les chercheurs, en particulier médiévistes, c'est la source principale. Donc c'est le matériau de base qui permet de construire un savoir. En effet, le manuscrit est en fait un témoin de la circulation d'un texte, à savoir qu'un texte, une fois qu'un auteur l'a écrit, était transmis à travers des copies manuscrites, et chaque copiste avait la liberté de reprendre, d'annoter, de corriger le texte. Chaque copiste va mettre un peu de sa vie, de son âme, dans ce qu'il écrit. On a non seulement le texte, mais tout ce qui est autour du texte qui le rend encore plus intéressant. Ça, c'est un papier européen, donc on est avant 1840, forcément. Alors, c'est un Kétard, moi je me montre ça, c'est un dernier affaire là. 1274 de l'Égypte, donc c'est 1850. Rodorben, machin, Tangiré. Ah, c'est des marques de naissance des enfants du propriétaire. Mmh. Mais là, il y a beaucoup de cachets, sinon. Ouais. Le transfert vers la BULAC a été l'occasion de redécouvrir ces manuscrits. Peut-être pas extrêmement nombreux, mais très importants pour l'histoire de l'orientalisme, pour l'histoire de l'étude des langues arabes, persanes et turques, et pour l'histoire de l'enseignement, de la découverte des textes et beaucoup de choses. C'est un fonds qui offre beaucoup de possibilités donc pour le chercheur. Ces textes couvrent plusieurs domaines du savoir. Ça va de la science à la religion, passant par la poésie, l'histoire et la géographie. Une grande partie du fonds a été constituée par les professeurs et les élèves de l'école de langue. Et donc on a des manuscrits comme les premières épreuves du dictionnaire qu'avait fait Pétis de la Croix au XVIIe siècle, un dictionnaire donc arabe-français pour aider les étudiants. On a aussi des manuscrits de Jean-Georges Varcy. C'est un personnage à la fois très peu connu, mais dont le fonds de manuscrits de la BULAC a des témoignages inédits et très intéressants pour la recherche. Et ils sont souvent dans un état de conservation assez fragile finalement, parce que c'est des feuillets, des cahiers, des manuscrits parfois reliés. Et il est essentiel de pouvoir leur donner une forme qui les rende accessibles à tous. Et à vrai dire, il n'y a guère actuellement que la numérisation qui le permet. Permet à la fois de préserver les documents et de les diffuser au maximum. La BULAC a ouvert en 2011. C'était le résultat d'un projet de 10 ans qui s'était concentré sur la création, la construction d'une bibliothèque physique. La mise en œuvre d'une bibliothèque numérique, c'est quelque chose qui a été gardé pour la phase d'ouverture. Et c'est donc 2 ans après cette ouverture au public, en 2013, que nous nous sommes jetés dans le bain de la numérisation en postulant pour une bourse de la région Île-de-France, nous finançant pendant 3 ans la numérisation de documents patrimoniaux. Nous avons choisi de mettre en avant, bien évidemment, nos manuscrits moyen-orientaux, mais on découvrait aussi tout un nouveau pan de notre métier de bibliothèque dont aucun d'entre nous n'avait l'expérience jusqu'ici. Aussi bien terminer un chantier de catalogage complexe, puisque ces manuscrits n'étaient pas signalés jusqu'ici, la mise en œuvre d'une numérisation exigeante et de haute qualité compte tenu de la nature de nos collections, que ce soit le sens de lecture, les informations en fond de cahier, et également une stratégie de diffusion à construire, car nous avons une collection extrêmement compartimentée. On emploie traditionnellement le terme de catalogue pour indiquer des listes d'ouvrages dont on donne une description
plus ou moins complètes. Et ces descriptions, elles doivent être le plus possible normalisées, normées. Dans la recherche, quand on s'intéresse à un sujet et qu'on veut retrouver des textes anciens, on commence par dépouiller les catalogues de manuscrits. Cataloguer, c'est faire exister. Imaginez un chercheur qui vient dans une bibliothèque ou qui consulte une bibliothèque numérique, sans notice ou sans signalement de ce document, il ne peut jamais le trouver. Il ne peut jamais soupçonner son existence. Cet outil a plusieurs avantages. Il permet non seulement la double écriture, c'est-à-dire l'écriture en langue originale et la translittération, et en plus, il permet la description fine de toutes les parties du manuscrit grâce à l'arborescence que permet le langage EAD. On va confier les documents à un prestataire extérieur et bien que ce prestataire s'installe dans nos murs, il va falloir lui donner en fait toutes les conditions, toutes les consignes pour que les documents qu'on va lui confier ne soient pas dégradés. Donc les constats d'état ont une valeur vraiment importante puisque c'est, on va dire, une sorte d'attestation qui a une valeur juridique de l'état du document au moment où on va le confier au prestataire. Le constat se fait livre en main, quasiment page à page. Donc les informations qu'on va trouver, ce sera le type de reliure, l'état du document forcément, son format, puisque parfois on trouve des éléments à déplier, également les différents types d'encre, s'il y a de l'or principalement, la foliotation, le nombre de vues, le sens de lecture. C'est vraiment les éléments les plus importants. Et la contrainte majeure, on va dire, ce sera les degrés d'ouverture, puisqu'on peut avoir du 90 degrés, du 120 degrés, du 180 degrés, ou alors carrément de la numérisation à plat. Une fois le prestataire installé dans nos murs, le rythme de numérisation va très vite et du coup, il faut qu'en amont, on ait terminé tout ce travail préparatoire. Donc, lorsque le prestataire récupère les documents qu'on a décrits et pour lesquels on a fait les constats d'état, il les numérise, donc soit avec un appareil photo, soit avec une sorte de scanner, selon les demandes qu'on a en termes de cahier des charges. Et il respecte un certain nombre de spécifications. Donc, on lui demande par exemple d'insérer une mire colorimétrique dans tous les documents numérisés pour vérifier que les couleurs sont homogènes, qu'elles respectent au mieux l'original, qu'il n'y a pas de différence de traitement. On lui demande également, si le papier est très fin, d'insérer des caches pour qu'il n'y ait pas de souci de lisibilité, pour ajouter une valeur à cette version numérique par rapport à celle du papier. Et donc le prestataire va suivre ces spécifications pour nous proposer ensuite une version numérique de chaque feuille, chaque page du document. Ça avance très vite, donc on se retrouve rapidement avec des masses importantes de documents à contrôler. Et on s'est rendu compte assez vite qu'on n'avait pas les outils adaptés pour faire ces contrôles aussi vite que demandé par le prestataire pour pouvoir maintenir un flux permanent de documents. Donc, parallèlement à ce projet de numérisation des manuscrits orientaux de la Bulac, on a mis en place un projet avec deux autres bibliothèques universitaires parisiennes, la Bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque de Sciences Po Paris. Et donc, ce projet avait pour objectif de monter une plateforme qui ne serait pas une plateforme de diffusion des contenus numérisés à la fin du projet, mais une plateforme vraiment de gestion de toutes les opérations internes de numérisation, donc qu'on appelle un back-office. Le contrôle qualité consiste à vérifier
que les documents que nous fournit le prestataire correspondent parfaitement à l'original. On a fait le choix d'un contrôle qualité exhaustif, c'est-à-dire qu'on vérifie véritablement image par image. Vérifier que le format est bon, qu'il n'y a pas de troncature d'informations, que les images n'ont pas été mélangées, puisque souvent elles sont numérisées d'abord toutes les pages de gauche, puis les pages de droite, et remises ensuite côte à côte par le prestataire. La difficulté spécifique qui est liée à ces manuscrits, c'est donc que ce sont des manuscrits orientaux, avec un sens de lecture différent, et une langue qu'on ne maîtrise pas, ni nous, ni le prestataire. Donc c'est ça qui a pu générer des problèmes et qui nous a amené à être particulièrement vigilants. En tant qu'établissement de l'enseignement supérieur, la BULAC s'est tournée vers le Centre informatique national de l'enseignement supérieur pour nous permettre de sauvegarder justement ces documents numérisés. Le CINES ne fait pas que stocker les documents, ce qu'on peut faire nous en interne dans nos établissements, mais il les archive, c'est-à-dire qu'il garantit que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourra toujours y accéder. Donc les métadonnées sont primordiales pour l'archivage. Elles permettent de décrire de manière pérenne un document, c'est une sorte de carte d'identité. On a opté pour des métadonnées sur trois niveaux. Un niveau bibliographique, qui, en fait, c'est un niveau qui décrit le contenu du document, c'est la notice du document. On a fait le choix du Dublin Core. On a aussi des métadonnées de niveau structurel qui décrivent chaque fichier et qui les lient entre eux. Et le dernier niveau sont les données du prestataire qui documentent le matériel utilisé et les conditions de prise de vue. Tout cela dans le but de pouvoir garantir une pérennité pour des formats qui, au niveau numérique, sont rarement pérennes et pourraient avoir disparu dans peu de temps. Côté BULAC, on s'est évidemment orienté vers un outil de diffusion open source, donc c'est-à-dire librement utilisable, développable, améliorable. Et notre choix s'est porté sur la plateforme qui s'appelle Omeka. L'avantage d'Omeka, c'est que c'est basé sur une grosse communauté d'utilisateurs qui vient du monde des bibliothèques et qui peuvent développer des plugins vraiment adaptés à nos besoins. Par exemple, la Visioness qui permet de zoomer et d'atteindre un niveau de détail très fin. On a aussi la possibilité de faire des expositions virtuelles et ainsi de valoriser les manuscrits. Un exemple supplémentaire que peut offrir ce type de plateforme de diffusion, donc Omeka, c'est d'intégrer des modules plus participatifs, donc par exemple l'indexation collaborative en direction des chercheurs, du grand public, qui permettrait d'intégrer de leur part des mots-clés, des indices de géolocalisation, des informations sur le trajet qu'a pu connaître le document avant d'arriver dans la bibliothèque. Et tout ça, ça permet de fournir un signalement qui est plus précis parfois que ce que peuvent proposer les bibliothécaires. Pour cette collection précisément, la numérisation n'est pas tant un instrument de prestige, de communication, de publication de fonds anciens, qu'une véritable demande scientifique. La numérisation va permettre de mieux connaître ces fonds, les rendre consultables à distance bien évidemment, mais on a aussi affaire avec une collection orientaliste à des documents qui ont énormément voyagé, qui ont été collectés par des enseignants, des diplomates, des collectionneurs, et qui sont parfois issus de bibliothèques qui elles-mêmes se sont retrouvées éparpillées, disséminées dans différents établissements de conservation. En les numérisant, on va permettre de mettre en valeur des éléments, on va dire, marginaux, secondaires dans les documents, qui sont les marques de provenance, les ex-libris, les waqf, les dédicaces religieuses qui sont dans ces documents et qui vont permettre d'étudier l'histoire du livre, les collectionneurs, voire de rassembler des documents qui se sont retrouvés écartelés au cours de l'histoire. Grâce au projet de numérisation, le chercheur a désormais accès en même temps à la notice et au manuscrit. Il peut ainsi opérer des comparaisons entre plusieurs copies sans avoir à se déplacer. Si on a une copie à Paris, une à Berlin, une au Caire, une à Istanbul,
Cela permet de ne pas avoir à voyager autant, à ne pas avoir à recopier intégralement le manuscrit dans chacune de ces bibliothèques pour tenter de faire des comparaisons. Et on peut sur un même écran se rendre compte des différences qu'il y a entre les différents manuscrits. Et en ça, c'est vraiment un gain de temps précieux. Et ça permet notamment de préparer des supports de cours ou de formation à destination d'étudiants, notamment pour des étudiants qui se destinent à éditer des textes ou à travailler sur des manuscrits. Ça leur permet de s'entraîner au déchiffrement des manuscrits avec donc, tous les avantages de la numérisation, comme de pouvoir zoomer pour plus facilement lire les différentes inscriptions sans passer directement par le manuscrit physique et donc en permettant une meilleure conservation de l'objet lui-même. Grâce à la numérisation, on peut constituer des ensembles qui sont des véritables bibliothèques numériques. Et ces bibliothèques numériques permettent de tisser des liens entre les chercheurs, entre les utilisateurs, entre les bibliothèques et entre les professionnels des bibliothèques, et de faire progresser considérablement l'étude du patrimoine que nous possédons.